je vous assure que ça n'est vraiment pas la peine, les filles. Arrête ton numéro, on sait parfaitement qu'en ce moment, tu ne manges que des nouilles. Oui, on est au courant. Et pour une fois que tu as la possibilité de te faire faire de la cuisine par deux adorables amis, tu devrais sauter sur l'occasion. D'autant qu'on a déjà fait les courses et qu'on a acheté tout un tas de bons légumes. Ce qui fait qu'on ne comprend pas bien pourquoi tu refuses qu'on vienne chez toi. Si tu continues, on va finir par croire que tu caches une femme. Oh, allons donc, vous me voyez cacher une femme chez moi? On sait bien que ce n'est pas le cas. Tu n'as pas à te faire de soucis sur ce point. Attendez les filles, vous allez rester là jusqu'à ce que je vous dise de venir, hein? Mais enfin, tu nous l'as déjà dit, pourquoi crois-tu qu'on fait le pied de grue dehors? Je ne veux surtout pas qu'elle voie la porcherie dans laquelle j'habite. Je suis persuadée qu'il va faire le ménage avant de nous laisser entrer. C'est pas grave, laisse tomber. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Tanguy? Bonjour, comme tu vois, je suis revenue, Tanguy. Ce sont tes amis? Oh, Laura, réveille-toi! Réveille-toi! Mais enfin, qui êtes-vous? Mais en voilà une drôle de façon de t'adresser à ta mère. Tu vous vois maintenant? Ah bah ça alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenue tout pâle? Mais c'est incroyable, vous avez l'air si jeune, madame. On pourrait savoir quel âge vous avez? Oh, je sais, je suis très jeune, mais j'ai l'âge de son père. Moi, je lui donnais 20 ans, mais elle n'aurait jamais pu être enceinte de Tanguy. Attends, c'est pas sûr. Si elle l'avait eu assez tardivement, par exemple, à l'âge de 40 ans, Tanguy pourrait avoir l'âge qu'il a. Non, ça n'irait pas non plus. Car le père de Tanguy n'a pas 66 ans. J'ai la vague impression que je les ai complètement perturbés. Ah, ça y est, j'ai compris. Vous êtes fiancée au père de Tanguy et vous allez bientôt l'épouser. Voilà. C'est fou que Robert veuille épouser une femme qui fait aussi jeune que vous. Je me demande quelle surprise il va encore nous réserver. Malheureusement, on n'en est pas encore là. Robert ne sera d'accord pour m'épouser qu'à une seule et unique condition. Oui. Et quelle est cette condition? Il faut que Tanguy accepte de m'appeler maman. Oh non! Quel dégoûtant! Mais c'est pas vrai! Pourquoi faut-il que ce soit toujours comme ça? Il me met la pression sans arrêt, mon père. Oh non, tu exagères et je trouve que tu n'es pas très gentil avec lui. Au contraire, il est très honnête et il tient compte de tes sentiments avant tout. Et si par ton attitude tu t'opposes à notre relation, nous ne nous marierons pas. Oui, c'est vrai, c'est gentil à lui, vous avez raison. Eh bien, dis donc, elle me paraît vraiment très mature et c'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas une gamine. Alors, sois gentil, accepte de jouer le jeu et appelle-moi maman. Oh, ce n'est pas encore gagné. Allez, je t'en prie, appelle-moi maman. C'est pas possible, j'y arriverai jamais, je suis désolée. Mais si, juste une fois, ce n'est pas la mer à boire. Je vous remercie tous pour ce très bon dîner. Bon allez, je me sauve pour ce soir. Mais rassure-toi Tanguy, je serai là demain matin à la première heure. Mais où est-ce que tu vas à cette heure? Mais je suis ton père, allons. Où est-ce que tu voudrais que j'aille? Oh, mais attends! Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ce qu'elle aille chez ton père. Après tout, ils sont déjà fiancés, non? Mais qu'est-ce que tu as, Tanguy? On croirait que tu es jaloux de ton père. Non, ce n'est pas ça. Mais mon père n'habite pas tout près et ça va lui faire de la route. Oh tiens, au fait, en parlant de lui, où en est-il de son magasin de moto? Elle a dit qu'elle revenait demain à la première heure. Oh non. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non. Qu'est-ce que c'est? Bonjour Tanguy, comment ça va? Tu as vu ça? C'est incroyable, elle a fait tout ce chemin à l'aube pour l'amener au travail. Qui est cette petite jeune fille avec Tanguy? Elle ne doit pas être vieille, c'est pas sa petite sœur? Je n'ai jamais entendu dire qu'il avait une sœur. Je flaire une histoire particulièrement croustillante. Dis donc toi, tu n'as pas des choses à faire ce matin au lieu de te mêler de ce qui ne te regarde pas? Allez, bon courage et bonne journée Tanguy. Oui c'est ça, au revoir hein. Oh, c'est pas vrai, dire qu'il va falloir que j'attende d'avoir mis la main sur mon père pour régler ça. Oh.
Mais où est-ce qu'il peut bien être passé? Je n'arrive pas à le trouver. Alors, mon petit Tanguy, il paraît qu'il t'arrive des choses plutôt surprenantes ces jours-ci. J'ai entendu dire que ta belle-mère n'arrêtait pas de te harceler, que tu avais même du mal à te sentir chez toi. Tu sais que si tu as besoin de te confier, nous sommes prêts à t'écouter. Moi, je dois reconnaître que je t'ai mal jugée, finalement. Hein? Tu as pensé à cette pauvre petite Laura? Est-ce que tu imagines ce qu'elle doit éprouver en te voyant avec une femme qui fait encore plus jeune qu'elle? Non, mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que vous me chantez là? Moi, ce qui m'énerve, c'est de constater que les jolies filles traînent toujours autour de toi. Comment ça se fait? C'est pas juste! Je n'ai pas à vous dire comment vous devez gérer votre vie personnelle. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous n'entachiez pas la réputation d'un officier de police. Oh! Mais enfin, capitaine! Non, mais capitaine, attendez! Vous avez bien vu qu'elle l'a amenée au travail aujourd'hui encore. Et même si elle n'est que sa belle-mère, ce sont des choses qui ne se font pas. Ce n'est pas très gentil pour la pauvre Laura. Je me demande combien de fois il faudra que je te dise d'arrêter de répandre tes ragots. Je ne vois pas pourquoi tu m'agresses. Je ne faisais que dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, c'est tout. Cette histoire ne concerne que Tanguy, ça ne nous regarde pas. Nous n'avons pas à nous mêler de ses affaires personnelles. Mais tu ne sais pas ce que tu dis. N'oublie pas que d'une certaine manière, les affaires de Tanguy te concernent. Quoi? Mais oui, si elle doit devenir la belle-mère de Tanguy, elle va devenir la tienne aussi par la même occasion. C'est évident. Elle va devenir ma belle-mère? Ah, mais c'est vrai, elle a raison. Quand Tanguy et toi vous serez mariés, elle deviendra ta belle-mère. Et le plus surprenant, c'est qu'elle fera plus jeune que toi. Oh, mais enfin, tu ne vas pas t'y mettre aussi, toi. Tiens, comment ça va, Alex? Bien, merci. Je suis désolée de vous déranger, mais je me suis dit que vous deviez être ici. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une jeune fille qui vient d'arriver. Elle s'appelle Jenna et apparemment, elle a apporté quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? J'espère que Tanguy ne vous embête pas, capitaine. Ça m'ennuierait. Mais si c'est le cas, je vous ai apporté un petit quelque chose pour que vous l'excusiez. Mais ceci est réellement très gentil de votre part. Je vous remercie infiniment. Oh non, non, mais qu'est-ce que ça signifie encore? Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu devais rentrer à la maison et y rester. Calme-toi, mon grand. Je suis juste passée t'apporter ton déjeuner, quelques petites choses aux autres, et je me suis dit que tu pourrais me présenter à tes collègues comme ta belle-mère. Mais tu n'avais pas à venir au commissariat. Ne t'énerve pas, j'ai apporté des friandises pour tout le monde. Celle que tu préfères, mais rassure-toi, j'en ai mis une part de côté. Oh, non, c'est pas vrai. Bonjour, Jenna. Comment allez-vous? Il vaudrait mieux que vous ne restiez pas ici. Vous voulez me suivre? C'est bien qu'on soit arrivés en même temps que vous. On va pouvoir déjeuner tout ensemble. Et encore merci, mademoiselle. C'était très gentil à vous de nous apporter ces petits cadeaux. Moi, j'ai été ravie de vous rencontrer, messieurs. Mais dites-moi, c'est pas mauvais du tout. Ah, ils sont rigolos. J'en ai préparé assez pour tout le monde. Allez, je vous en prie, servez-vous, n'hésitez pas. Je dois dire que tout cela a l'air délicieux. Les gens bien élevés ne se précipitent pas comme ça. Allez, mon grand, il faut que tu manges. Je sais bien que ce n'est sûrement pas aussi bon que ce que faisait ta maman, mais c'est mangeable. Allez, ouvre grand, allez. Non, merci, j'avoue que pour l'instant, je n'ai pas très faim. Allons, allons, dépêche-toi, ouvre la bouche. Non, je te dis... Allez, Laura, servez-vous, cette omelette est l'un des plats que j'ai réussi le mieux. Goûtez-la. Oh, avec grand plaisir, c'est gentil, je vous remercie. Allez voir comme ça, on remarque qu'ils s'aiment beaucoup, c'est vraiment de l'amour maternel. Attention, Anna, si tu continues à te mêler des affaires des autres, tu vas finir par perdre tous tes amis. Oh, ça te va bien à toi de dire ça, tu n'arrêtes pas de les observer et de juger tout ce qu'ils font. Oh, tu exagères. Moi, je ne fais que déguster la cuisine de Jenna et apprécier la qualité de ses plats. Oh, dites donc, j'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls à s'intéresser, on attire les foules. Oh, ça va alors ! Bonjour tout le monde ! Mais qu'est-ce qui lui a pris à Tanguy ? Il a avalé son déjeuner rapidement et nous a abandonnés aussitôt. Oh, il n'a rien de particulier, seulement c'est un garçon timide, ce genre d'attitude lui ressemble.
J'ai la vague impression que vous, Laura, vous le connaissez mieux que n'importe qui, n'est-ce pas? Non, pas particulièrement. Ah bon? Pourtant, je peux vous affirmer sans risque de me tromper que vous, en revanche, vous tenez une grande place dans son cœur. Et de ce point de vue-là, je peux vous avouer qu'il est aussi adorable que son papa. Oh. Ah oui? Est-ce que vous pouvez lui dire, quand vous le reverrez, que je passerai ce soir pour le ramener jusque chez lui? Oui, ce sera fait. Ah oui, je voulais vous dire... Oui, quoi? Vous avez l'intention de retourner chez Robert ce soir? Parce que je me disais que vous auriez pu venir habiter chez moi pendant quelques temps, ça vous éviterait ce trajet quotidien fatigant. Oui, effectivement, c'est une idée alléchante. Tu sais que tu peux venir aussi si tu veux, Olivia? Ah ben, moi j'accepte tout de suite, tu sais. J'avoue que si vous insistez, cette proposition me plaît et je veux bien venir chez vous. Voilà, j'ai terminé avec la salle de bain. Dites-moi, ça vous ennuie si je vous pose une question un peu personnelle? Oh non, pas du tout, je vous en prie. J'aimerais savoir comment Robert et vous vous êtes rencontrés. Je vais vous raconter ça. La première fois qu'on s'est vu, j'étais sur la route de la montagne que je connaissais comme ma poche. Il m'a pris de vitesse et sur une moto qui plus est. Oh ! Je dois dire qu'il m'a surprise. Je l'ai retrouvé sur une aire de repos et sans même y songer, je me suis mise d'instinct à lui parler. Vous pilotez vraiment bien, vous savez. Je vous remercie, c'est la première fois que je prenais cette route. J'en avais entendu parler et j'ai décidé d'aller voir ce qu'elle donnerait. Oh ! J'ai senti immédiatement que cet homme avait beaucoup de cœur. J'en ai eu plusieurs fois confirmation et c'est pourquoi j'ai décidé de lui donner le mien. Je comprends très bien ce que vous éprouvez. Et si je veux que Tanguy m'appelle maman, ne serait-ce qu'une fois, ce n'est pas uniquement parce que j'ai l'intention d'épouser son père, mais c'est surtout parce que je pense que, d'une certaine manière, cela nous permettra de devenir une véritable famille très unie. Eh bien, je peux vous assurer que nous allons essayer de vous aider à y parvenir. C'est vrai? Vous savez que si vous ne vous décidez pas à lui mettre un peu la pression, ça va prendre un temps infini avant que vous ne connaissiez vraiment ses sentiments, et je... Ce n'est pas la peine d'en dire plus, parce qu'à ce niveau-là, tu sais de quoi tu parles. On peut dire que tu es même mieux placée que n'importe qui. Oui, malheureusement. Mais j'y pense, demain c'est le jour de repos de Tanguy. Qu'est-ce que vous penseriez à l'idée d'aller faire les magasins tous les deux, juste vous et lui? Allons-y, mon grand. C'est le moment d'aller faire les magasins. Alors ne perdons pas de temps, viens vite. Doucement, mais attends. Dis-moi, je ne suis pas arrivée à remettre la main sur papa depuis quelques jours. Tu ne saurais pas où il est, par hasard? J'imagine qu'il a dû aller faire une balade de plusieurs jours à moto, c'est son genre. Ah oui, genre. Ça lui ressemble bien, ça. Il disparaît quand j'ai besoin de lui. Oh, regarde comme elle est mignonne, cette oie. Tu ne voudrais pas me l'offrir? Mais pourquoi je t'offrirais une oie? Oh, je vois pas ce qu'il y a de mal à faire un cadeau à sa belle-mère. Non, mais attends... Tout se passe comme prévu. Tu as bien tout préparé? Qu'est-ce que tu crois? Numéro 1 à l'appareil, la cible est en place, c'est à vous de jouer. Bien reçu. Vous en avez de la chance d'avoir un petit ami qui vous fait un si joli cadeau. Ce n'est pas mon petit ami, c'est mon futur gendre. Oh. Vous réglez en espèces ou par carte? Par carte bancaire, mademoiselle. Tenez, la voici. Vous serez gentille de faire un peu plus vite. La machine est en panne. Je dois le faire à la main. Je vous prie de m'excuser. Alors, ma belle, on se balade? Oh. Tu veux pas venir boire un café avec nous? Tu as trouvé les deux petits voyous qui l'interpellent. Ce sont des types du club de moto. Je leur ai demandé de me donner un coup de main. Ils ont l'air plus vrais que nature. On dirait pas qu'ils jouent la comédie.
chose. Je veux bien te croire. Moi, au début, j'avoue qu'il m'impressionnait. Oh, c'est dingue, ça. Tu as toujours eu de ces fréquentations, toi. Hé, hey, dites donc, vous deux. Qu'est-ce que vous faites? Tanguy, enfin. Qu'est-ce que tu veux, toi? Occupe-toi de tes oignons, plutôt. Ah ouais, de quoi tu te mêles? On a bien le droit de discuter avec cette nana. Justement, ça me regarde. Cette nana, c'est ma... Allez, vas-y, dis-le. Elle est ma... Eh ben, qu'est-ce que tu attends? C'est ma... C'est ma petite sœur. Oh, non! Oh? Il faut que tu sois un peu plus prudente. Ce genre de type, on en rencontre partout. Faut faire attention. Mmh. Oui, je sais bien que tu m'en veux. J'ai dit que tu étais ma sœur, mais c'est la seule chose qui me soit passée par la tête. Mais rassure-toi, ça ne veut pas dire que je m'oppose à ton mariage avec mon père. Non, c'est juste que... Oh, après tout, je te comprends. Il est évidemment très difficile d'appeler quelqu'un maman quand cette personne est plus jeune que soi. Je te promets de ne plus t'embêter avec ça. Essayons seulement d'être amis à l'avenir. Oui. Je dépose mon cadeau dans la voiture et on va déjeuner. Oh. Tu es bien sûr d'avoir agi comme il fallait. Oh. Tu aurais au moins pu le lui dire une seule fois. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là, toutes les deux? Allez, dépêche-toi. T'énerve pas, ça ne se fait pas comme ça. Voilà, ça y est, c'est presque fini. Hé hey oh, emmène-toi, bon sang, voilà quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma voiture? Attendez. Voilà, ça y est. Tu aurais tout de même pu lui dire maman au moins une fois. Oh. Oh, regardez, mais c'est la voiture de Jenna qui vient de passer. Oui, mais ces voyous-là, je ne les ai pas engagés. Comment? Quoi? C'était mon père. Moi, je vais le suivre. Pendant ce temps-là, on va retrouver Jenna, si tu veux bien, Tanguy. Mince, qui c'est celui-là? Fais gaffe! Faut vous arrêter, les gars! Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah ah. Allez, cours, dépêche-toi! Hey, qu'est-ce que tu crois que je fais, là? Et là. Alors, les gars, ça vous dirait une petite leçon de karaté? Est-ce que ça va? Tu as eu mal? Tu m'entends? Allez, parle-moi! Oh, ce que je suis contente. Mon cadeau n'est pas cassé. Ça aurait été vraiment malheureux. Le premier cadeau de mon beau-fils. Oh. Mais je ne me sens pas très bien. J'avais espéré que... qu'avant que je meure, tu m'aurais appelé maman. Oh, non. Attends, je vais te le dire. Tiens le coup encore un peu. Je vais te le dire. Maman! Oh, maman! Ah, tout de même, tu es enfin arrivé à m'appeler maman! Oh, c'est pas vrai! Quelle comédienne! Quelle oh, mince, j'ai quand même une égratignure au bras! Alors, comment ça va, Jenna? Oh là là! Ça oh va là à merveille, là. D'autant plus que Tanguy m'a appelé maman! J'ai l'impression que c'est Jenna elle-même qui est parvenue à piéger Tanguy! Oui, mieux que nous! Oh, stop, tu te rends compte? Je suis passé jeter un coup d'œil à l'emplacement où j'ai prévu de lancer le magasin de moto et je vois que tu es particulièrement heureux aussi. Oh, papa, je l'ai appelé maman. C'est incroyable. On dirait que finalement, tout s'est très bien fini entre Jenna et toi, n'est-ce pas? Alors, tant qu'on y est, qu'est-ce que tu penserais de faire une double cérémonie de mariage? Laura et toi et Jenna et moi, fiston. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, je plaisante. Je sais très bien que tu n'as pas encore le courage de déclarer ta flamme et de t'engager vis-à-vis d'elle. Oh. À partir de maintenant, nous formons une vraie famille. Oh.
リコ聞いてよ。近頃のお子様たちってひどいのよ。へへ、知ってるよ。夏美とみゆきが小学生のスカートめくり魔にやられて仕返しにズボンおろし魔になっちゃったって話でしょ。それは夏美の話よ。違う、私だって一方的な被害者なんですからね。でもこのシチュエーションなんか嫌なのよね。ほんと、またあいつが出てきそう。次回逮捕しちゃうぞ。ファイル18、遊撃ストライク少女隊。やっぱりストライク。